Oh non, mais le fou! Bien le bonjour tout le monde, plutôt bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Je vais vous présenter un logiciel pour réaliser vos sauvegardes de dossiers personnels. Un logiciel de sauvegarde très simple d'utilisation, vous allez voir. Petite parenthèse, vous avez dû normalement apercevoir que la charte graphique des canaux Blabla Linux avait fortement changé. Yeah, c'est la classe, moi je vous le dis. Eh bien, c'est la personne qui m'a aidé à modifier la charte graphique de Blabla Linux qui m'a fait découvrir ce logiciel de sauvegarde. Et la personne qui m'a aidé à modifier toute la charte graphique des canaux Blabla Linux, eh bien, bientôt, je vais réaliser une vidéo dédiée rien que sur cette personne. Vous verrez, ce sera cool, hein. Chaîne YouTube, Blabla Linux, onglet vidéo, terme de recherche, sauvegarde, et on peut voir que Blabla Linux n'en est pas à son coup d'essai concernant le sujet de la sauvegarde. Time shift, déjà d'up, création, restauration instantanée, sauvegarde, mint, backup, sauvegarder, restaurer, c'est logiciel Ubuntu 20.04, déjà d'up, backup tool online. Je continue. Rsync, gRsync, logiciel de synchronisation, Unison, logiciel de synchronisation. Bon, allez, j'arrête là. Et aujourd'hui, je vous présente... Pika Backup. Alors, Pika Backup est un logiciel, mais alors, très simple d'utilisation. Simple, mais, attention, simple, mais pas dépourvu des fonctionnalités juste nécessaires. Voilà, pour qu'on ne dise pas de lui, ouais, il est simple, mais il est trop simple. Non, vous allez voir, il est chouette. Alors, vous allez pouvoir, grâce à Pika Backup, configurer donc des nouvelles tâches de sauvegarde ou alors utiliser celles qui existent déjà. Vous allez pouvoir créer des sauvegardes locales, hein, ou alors distantes. Et ça, c'est génial, je vais vous montrer. Alors, vous allez pouvoir gagner du temps, du temps et de l'espace disque. Pourquoi? Parce que Pika Backup réalise des sauvegardes type incrémentiel. Donc, il va sauvegarder une fois la totalité donc, de ce que vous avez dit. Écoute, tu dois me sauvegarder ça. Et puis après, ne seront sauvegardés que ce qui était modifié. Voilà, sauvegarde type incrémentiel. Vous allez pouvoir chiffrer vos sauvegardes. Ou non, chiffrer ou non. Vous allez pouvoir lister donc, les archives de sauvegarde créées et parcourir leur contenu. Vous allez pouvoir récupérer hein, donc des fichiers ou des dossiers via votre gestionnaire de fichiers. Bon, c'est pas le tout. Je veux obtenir l'application. Et après avoir cliqué sur obtenir l'application, je suis redirigé vers le site flathub.org. Et oui, c'est une application type Flatpak, donc une application universelle. C'est comme ça, c'est pour tout le monde. On ne chipote pas. Et ben, ça tombe bien, je suis sur Mint. Mint gère donc nativement les Flatpak. Et bien, on ne va pas s'en priver. Alors, comment ça va? Eh bien, un simple clic sur le bouton Install, hein. Voilà. Et puis alors, je continue. Hein. Ouvrir avec donc le Software Manager. Hein. Voilà. Et c'est la Logitech hein, qui s'ouvre vers Pika Backup. Ou alors, voilà. Maintenant que vous le savez, vous allez chercher donc votre Logitech et avec le simple terme de recherche Pika. Voilà, Pika Backup. Regardez, sur mon système hôte, oui, je ne travaille pas sous VM, sur mon système hôte, il n'est pas installé. Eh bien, je vais l'installer avec vous et je vais vous montrer comment il fonctionne. Vous allez voir, c'est super. Regardez ce qui est mentionné dans le descriptif de Pika Backup, donc dans la Logitech. Regardez. Pluguez une clé USB, donc votre clé USB, et Pika donc, s'occupera de tout. Pour vous, vous allez voir, c'est génial. Installation, continuez, et on attend que l'installation se passe. Je rappelle, c'est un paquet universel, un flat pack, un peu plus conséquent en taille de poids. Ben bon, hein. Surtout si c'est le premier logiciel type flat pack que vous installez, donc la base doit être rapatriée. Donc voilà, à part ça, peut-être, ça mais je vous en parlerai, peut-être un petit souci au niveau de la cohérence du thème à certains niveaux, hein, dans certaines parties du soft, mais vraiment rien de dramatique. Installation terminée, soit on clique sur lancer, ou alors l'intégration donc, de ce logiciel est parfaite dans le menu principal donc, des applications, hein.
Pika, Pika, Makeup. Voici Pika, Makeup. C'est ça. Il paye vraiment pas de mine. Non, non, il paye pas de mine, mais vous allez voir, il fait le taf. Alors, je précise que là, sur mon système hôte, donc j'ai une clé USB de 15 gigas qui est pluguée. La voici. D'accord ? Vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. On va configurer donc une sauvegarde. Soit on veut créer, donc on va parler en termes de tâches. On va créer une tâche de sauvegarde. Tâche de sauvegarde que l'on pourra réutiliser quand bon nous semble. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Alors, soit je réalise une sauvegarde donc sur mon système, donc sur le disque, ou alors une sauvegarde type distante. Ok ? Voilà. Ou alors, regardez, directement sont mentionnés tous les périphériques de stockage sur mon système hôte. Ok ? Donc, mon volume RAID, apparemment, il prendra en compte les volumes RAID, ah, c'est génial. Mes deux disques durs de 500, disque dur de 2 Tera, et ma clé USB. Oh ! Eh bien, regardez, je vais utiliser ma clé USB. Tac ! Voilà. Alors, il me précise que sur la clé USB, voilà dans quoi sera sauvegardé, dans quel répertoire sera sauvegardé, donc, eh bien, ma sauvegarde. Ok ? Est-ce que je veux chiffrer ou non ma sauvegarde ? Ok ? Allez, on va la chiffrer. On va la chiffrer. Voilà, mot de passe faible. Hein. Est-ce que je vais sauvegarder le mot de passe ou non ? Hein, on va mettre non. Réglage avancé. Ok, ça, on passe. Je demande la création de ma tâche de sauvegarde, donc sur ma clé USB. Voilà. Ma tâche est créée. Ok ? Alors, je n'ai jamais créé de sauvegarde grâce à cette tâche sur la clé USB. De 15 gigas, sur cette clé USB de 15 gigas. Voici ce qui sera sauvegardé, mon répertoire personnel. Par défaut, c'est le répertoire personnel qui a sauvegardé. Alors, attention, petite précision quand même, Pika Makeup est un logiciel de sauvegarde de données personnelles. Donc, pour moi, c'est un formidable complément au logiciel TimeShift qui, lui, hein, permet de prendre, donc de créer et de restaurer des instantanées système. Système, c'est important. Système. Voilà. Donc, Pika Makeup est un bon complément à TimeShift qui, lui, va s'occuper de la partie sauvegarde dossier personnel. Alors, par défaut, c'est le home qui va être sauvegardé. Ok. Je peux cocher. Hein? Je peux ajouter. Hein? Je peux ajouter. Je peux dire, ok, tu sauvegardes mon home, mais en plus, je vais ajouter ça, ça, ça. Ok. Alors, et voilà. Voici le seul et unique répertoire par défaut qui est exclu. Le point cache. Point pour dire c'est un répertoire caché. Je peux dire non, hein. Tu l'incorpores, donc hop, ou alors je peux ajouter d'autres répertoires à exclure. Ok ? Maintenant, ce qui me tracasse juste un peu, moi, ici pour la vidéo, c'est que je viens de me rendre compte que dans mon home, il y avait des tas de liens qui pointaient vers mes disques. Regardez, disques de 500. Regardez, disque de 500, disque de 500 gigas, disque de 2 Tera, mon volume RAID. Est-ce qu'il va prendre en compte les points de montage ? Est-ce qu'il va également prendre en compte les liens ? Je n'en sais strictement rien. Je n'espère pas, sinon ça va prendre du temps. Et puis en même temps, ce n'est qu'une clé de 15 gigas. On va voir. Backup now. Regardez, estimation de la taille de sauvegarde. Ah, on va voir. Il y a une estimation de taille. À mon avis, je le sens pas bien. Il va prendre en compte tout ce qu'il y a. Donc les points de montage et les liens. Donc l'intégralité de ce qui est mentionné dans mon home. Et merde. Eh bien donc, ce n'est pas grave. Hein. On arrête. Mot de passe. Hein. Voilà. Alors ce que je vais faire, hein, tac. Et vu, moi je n'ai pas le choix. Je vais inclure bureau. Donc bureau. Tac. Je vais inclure donc manuellement tous les répertoires que je veux qui sauvegardent. Donc un home des plus classiques hein, en fait. Donc bureau, image, modèle, musique, public. Allez, je vais mettre téléchargement et vidéo. Voilà, je pense que c'est bon. Et là, vous allez voir, ça va le faire. Mot de passe. Ah, ça a été quand même beaucoup plus vite. Donc, voilà, pour en être sûr,
la première sauvegarde que j'ai tenté de faire, eh bien, il prenait l'intégralité de ceci. Donc, même les points de montage, hein, et même tous les liens. Donc, c'était pas possible. OK ? Mot de passe. Et ce qui est génial, regardez, on peut sauvegarder le mot de passe ou dire non, non, tu l'oublies immédiatement. Tac, voilà. Et si je vais dans Archives, hein, regardez, j'ai une première sauvegarde de créer. Mardi 25 janvier 2022, 18h59. OK ? Le nom de la machine, hein, et l'utilisateur qui a créé la sauvegarde. Et je peux. Tac, voilà. Et là, je vous parlais du petit problème de thème. Voyez ? Donc, pour ma part, hein, ce que je vais faire, Ah, voilà. Si je mets Arc, regardez. Voilà. Donc, c'est juste là, le petit problème de thème, c'est ici, en fait. Sinon, pour tout le reste, c'est bon. Donc, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc, regardez. Ça, c'est la première archive de ma sauvegarde. Hein. Tout ce que je peux faire, regardez, donc il y a toujours la date, hein, donc le nom de la machine, le nom utilisateur, le nom de la sauvegarde, le temps, 0 seconde, oui, parce que en fait dans mes répertoires, regardez, dans le bureau je n'ai rien, dans document je n'ai rien, enfin un document, c'est un iDesk sauvegarde, ok, voilà, mes sauvegardes c'est le logiciel en fait, donc c'est Mint Backup, hein, qui a créé ce répertoire là. Ok, voilà. Alors, et si je continue dans images, je n'ai pas grand chose. Vous voyez, donc c'était vite. Hein. Dans modèle, bah, je n'ai rien. Dans musique, je n'ai rien. Et si je continue dans public, je n'ai rien. Vidéo, ah ben vidéo aussi, j'ai quelques petits répertoires. Voilà, donc enfin, j'ai pas grand chose. Ok, alors regardez, là je vais pouvoir naviguer. Bon, passe toujours puisque j'ai chiffré ma sauvegarde. Je vais pouvoir naviguer. Donc, dans la sauvegarde créée, donc qui se trouve sur ma clé USB. Et on peut voir où ma clé USB est montée. Hein. Donc, ani.mnt, hein. Donc, slash borg, slash le nom de la sauvegarde, hein. Slash encore un autre nom. Puis alors, ben, on retrouve mon home et donc mon répertoire personnel. Ok. On va voir, hein. Bureau, ben, ouais, il n'y a rien. Document, ah, on retrouve quand même mes deux répertoires. Modèle, ben, il n'y avait rien. Musique, il n'y avait rien. Public, bah il y avait rien. Téléchargement, il y avait rien. Et vidéo, ah c'est bon, hein, c'est bon. Normalement dans OBS, ouais bah il y a rien. Ok, donc oui, ça fonctionne, c'est cool. Maintenant je vais vous montrer autre chose. Vous allez comprendre ce que je voulais dire. Regardez, je reviens en arrière. Voilà, ça c'est une tâche. C'est une tâche que j'ai créée. Hein. Et bien regardez, je vais relancer une sauvegarde. Backup now, start backup, mot de passe. Hein, puisque j'ai demandé une sauvegarde chiffrée, tac, mot de passe, continuer, et voilà, c'est bon. Si je vais dans Archives, deux sauvegardes, mais vu que n'est sauvegardé que ce qui est modifié, là je n'ai rien modifié, donc voilà, oui, il y a bien, on voit une deuxième sauvegarde, mais il n'y a rien qui a été sauvegardé en fait, puisque je n'ai rien modifié, vous avez compris, voilà. Donc ça c'est une tâche que je vais pouvoir réutiliser quand je souhaite, ok. Alors ce que l'on va faire maintenant, nous allons, tac, effacer cette tâche-ci. Tac. Attention, effacer une tâche ne supprime pas ce qui était sauvegardé, donc sur la clé USB. D'ailleurs, si je me rends sur la clé USB, voilà. Ça sert à rien de vouloir rentrer dedans, hein. Ok, c'est illisible pour vous, hein. D'accord. Voilà. C'est pas ça, chiffrer. Hein. Chiffrer, c'est demander un mot de passe pour pouvoir gérer sa sauvegarde. Ok. Même si vous ne chiffrez pas, vous aurez affaire à ceci. D'accord. Bon, je supprime. Tac. Voilà, regardez bien ce que l'on va faire maintenant. Nous allons, regardez, je peux me connecter par exemple à des machines distantes, notamment Prime Info. Voilà, et je me connecte dessus en SSH. Donc, vu qu'on est dans un gestionnaire de fichiers SSH, hein, on parle alors de SFTP. On est d'accord ? Pourquoi je précise cela ? Regardez bien, je vais écrire. Hein. Un répertoire que je vais nommer Pika. Voilà, Pika. Et vous allez voir pourquoi. On va créer une sauvegarde distante. Donc, je configure une tâche. Cette fois-ci, distante. Alors, il me demande l'URL. Eh bien, c'est pas dur. Moi, l'URL, regardez. Elle est
Ben, elle est là, regardez, elle apparaît ici. Hop là, et si je fais ça, hein, hop là, je l'ai l'URL. Oh, c'est magnifique. Je copie. Faire comme ceci. Tac. Je colle. Est-ce que je la chiffre ou pas? Non, je ne vais pas la chiffrer. Je crée. Ah. Ah oui, mais... Ok, attendez. On va faire ceci. On va faire... Pika. Voilà. Donc, nouvelle tâche de créer. Alors, bah, même chose que tantôt, je sauvegarde mon home ou... Je peux pas... Enfin, moi, je peux pas sauvegarder l'intégralité de mon home. Ok, donc, je vais décocher ceci. Tac. Et je vais faire comme tantôt. Je vais inclure bureau. Tac. Je vais inclure image. Tac. Je vais inclure modèle. Tac. Je vais inclure musique. Tac. Je vais inclure public. Tac. Je vais inclure public téléchargement. Téléchargement vidéo. Voilà, c'est bon. Backup now. Aucun mot de passe n'est demandé, puisque je n'ai pas demandé le chiffrement de ma sauvegarde. Regardez, donc sur une machine distante, ça va quand même, ah, ça va quand même vite. Hein. Donc c'est bien. Yeah! Sauvegarde terminée avec succès. Montre-moi l'archive. Voilà l'archive. Je veux naviguer dans cette archive. Et voilà. Et là, donc, même chose. Hein. Donc, la localisation distante est montée dans mon home répertoire personnel.mnt/borg et ainsi de suite, ainsi de suite. Et voici ma sauvegarde. Ok. Et pour vous montrer, regardez, pour vous montrer que ça fonctionne, hein, ça fonctionne, regardez bien ce que je vais faire. Je fais mon gestionnaire de fichiers. Moi. Je vais me rendre dans système de fichiers, USR, share. On va aller dans backgrounds. Ouh là là, où il y en a. On va voir, clic droit, propriété. 744 mégas. Allez, on va se faire plaisir. Je vais carrément regarder. Je vais prendre le répertoire background et je vais la mettre sur mon bureau. Tac. Voilà, il est là. Il est là, le répertoire. Ok. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, écoute, alors je relance la tâche, backup now, start backup. Et là, vu qu'il y a du changement, eh bien, il va sauvegarder donc le changement. Et le changement, c'est quoi? Mais c'est juste ce répertoire-là. Yeah, archive. Regardez, deux sauvegardes. La première, donc, je vais naviguer dedans. Si je vais dans bureau, regardez, je retrouve mon background. Hein. C'est génial. Hein. C'est génial. Et si j'utilise donc la première sauvegarde créée, que je vais naviguer donc dedans, bureau, bah il n'y a pas le répertoire background. Regardez bien maintenant, hein. Admettons que je fais une boulette, hein. Je mets pas la corbeille, je supprime. Tac, ah zut, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien c'est pas grave, tac, bureau, copier. Je colle. Oh, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez, il est très simple. Il est très simple. Ce qui est génial, c'est de pouvoir créer une tâche. Et on rappelle cette tâche quand on veut. Voilà. Il y avait un petit message, je pars, sur le site de la part des développeurs qui disait, qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas encore planifier des tâches. Ce serait génial de dire, à chaque fois qu'on se connecte à sa session, hop, une sauvegarde soit réalisée. Ou alors tous les jours à 10h ou tous les jours à 14h. À l'heure actuelle, c'est pas encore possible. Il faut lancer donc les tâches de sauvegarde manuellement. Mais sinon, c'est génial. C'est génial parce que, hop, je vais chercher mon logiciel de sauvegarde Pika Backup. Hop, hein. Regardez, voici mes tâches. Hein. Ma seule et unique tâche. Tac, Backup Now. Je rappelle que la sauvegarde est réalisée sur une machine distante. Alors, voilà, c'est fait. Tac, terminé. Petit conseil, réalisez vos tâches de sauvegarde, soit sur une clé USB, ou soit sur une machine distante, ou, si vous avez plusieurs disques sur votre machine, ne réalisez pas la sauvegarde sur le disque système, mais sur un autre disque, donc le disque système. Ok ? Voilà, moi je vous dis bye bye, et une prochaine. Allez, ciao ciao.